Et voilà, on voit les Jura là-bas. Au bout. Voilà. Là, on voit l'autoroute qui mène à Zurich et à Bâle. Il y a l'autoroute. Et ici, en bas, avec leur drapeau de merde, ça c'est Berrysville. Voilà. Alors tout le monde qui est là-haut, la place centrale où le bus s'arrête, où il y a les pompiers, ils voient donc ça. Ah oui. Il est assez grand. Il était tout gratuit. Bon, c'est une autre histoire. Financée par des Suisses allemands eux-mêmes. Ok. Allez, on continue. Et voilà le temple pharaonique à Berne. Avec des obélisques. Deux pièces là. Avec le pacte. Ces draps qu'ils ont là, c'est le pacte. Ça veut dire on reste ensemble, quoi. Ça tient ensemble. La domination terrestre, le pacte. Et voilà, je vais m'approcher un petit peu. Là, je suis tout près devant le temple. C'est vraiment bizarre ce truc. Il y a l'hiéroglyphe du soleil qui est partout, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a l'oiseau ibis de Pharaon, le pacte qui est là. Das Bündnis en allemand, the joining en anglais. Et là, on a le diable. Et là en dessous, il y a l'œil tout voyant, comme sur le dollar. Il y a même le sourcil. Comme sur le dollar, avec le rayon du soleil. Et là en haut, bien sûr, il y a le triangle. Des francs-maçons, ils sont tous les mêmes. Hein? Il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose. Hein? C'est clair. Hein? Encore les hiéroglyphes du soleil, ici à Berne, à Thunplatz, dans les quartiers des ambassades. Ok, on va à l'ambassade du Vatican. Là, on a le temple. Et le jardin du Vatican, l'ambassade du Vatican, vous voyez les obélisques, il y a deux paires. Donc Yachim et Boaz, comme dans un temple franc-maçonnique. Et voilà, les prêtres d'Amun, ils sont là, avec un genre de grain là. C'est marrant ça, vom Schloss Hindelbank, ça vient de Hindelbank. Qu'est-ce qu'ils ont trafiqué là? Et qu'est-ce qui a marqué là? Bon, c'est dur à voir. Ok. Allez, Hindelbank. Donc là, on est plein devant l'ambassade du Vatican, le symbole avec les deux clés. Ah, c'est bizarre ce truc. Et là, il y a bien sûr ces obélisques à côté. Ils sont tous là. Ok. Et là, derrière, on voit The Joining, le pacte. Ce truc qui a porté Isis tout à l'heure. Ça tient ensemble, vous comprenez. Là, encore à Thunplatz, devant l'ambassade du Canada, il y a partout le grain, autre symbole franc-maçonnique. Et on va aller voir l'ambassade. Et on est en fait devant l'ambassade du Luxembourg et la Norvège. Et ça, les deux pyramides avec la balle de la domination. Terrestre, le pharaon, les deux obélisques, Yachim et Boaz devant l'ambassade du Canada. Voilà, c'est partout, hein? Au poste clé surtout. Ouais. Là, on est à la fosse des ours ici à Berne. Le nouveau fosse des ours, plein de monde, mais ce n'est là comme un château. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ah, merde. Ce qui est important. Bon, pause. Ce qui est donc important, c'est l'obélisque qui est là, avec le pacte, la balle. Et même les hiéroglyphes du soleil. Il est vraiment partout, hein, au poste clé. Vous pensez que c'est un hasard?
Eh ben non. Donc l'eau blesse pour Osiris et l'eau avec la source pour Isis. Donc the joining là-bas, c'est très important, on voit ça partout. Ok. On va aller chez Blocher maintenant où il habite. Ok, là on est à Berne, au Gerechtigkeitsstraße. Gerechtigkeit, ça veut dire justice. Et a marqué que la dame justice, elle a été détruite à plusieurs reprises et a été, ils ont mis une autre en 1988. La dernière fois, ils ont voulu, ils ont été détruits par les béliers de Saint-Bré. Et la dernière fois, c'était en 1993. Le 7 janvier, il y a un commando de Saint-Bré qui sont descendus. Donc, elle est là, dans le quartier de francs-maçons. Donc, la Dame Justice. Avec l'équilibre, avec la balance. Et en fait, la Dame Justice de Rome, elle vient de la Grèce, elle s'appelait Thémis. Et les Grecs, entre guillemets, l'ont de l'Égypte, où elle s'est appelée Maat. Et le mot magistrat est venu de là. Maat, magistrat. Donc détruit, c'est plus le même, c'est une copie, donc détruit par des béliers chez qui j'habite à Saint-Bré. Donc là encore dans la Gerechtigkeitsgasse, il y a encore Maat. Les autres noms ont en fait pas de valeur. C'est la descendance pharaonique. Et là, il y a un temple franc-maçonnique, genre, quel bruit, avec les hiéroglyphes du soleil sur la porte, dans une autre façon. Et là, il y a marqué présidial direction. C'est encore les autorités. À côté, il y a les hiéroglyphes du soleil sur le bâtiment, sur la façade. D'un magasin, c'est-à-dire il faut acheter ici ou le propriétaire, un d'eux. Ok. Voilà la commune de Berne. Et là il y a bien sûr Isis. Suisse, sœur Isis, elle a deux sœurs. Et juste à côté, une église avec des obélisques. Vraiment partout. Une drôle d'obélisque, bien sûr, je sais pas. Voilà, partout, une drôle d'obélisque. Il y en a au moins une douzaine. Ok. Dans le quartier de francs-maçons, là. Donc, en face de l'église, on a pour des touristes, on a des magasins avec les hiéroglyphes du soleil, bien en bois. Hein? Vous pensez que c'est une coïncidence? Hein? Il y en a vraiment partout. Donc, ça veut dire acheter vos affaires ici. Hein? Voilà. Et on va monter ce petit ruelle, ça va monter à Brunngasse. C'est là où il habitait le grand pharaon Blocher. Donc là, c'est le grand obélisque devant chez Blocher, avec le pacte, hein, ça tient ensemble. Et le grain, la source, il y en a tout. Et Blocher, il habitait là, environ, un plus où il y a la femme qui a marché là, un peu avant même. Et quand on tourne de l'autre côté, voilà, il y a deux grandes loges franc-maçonniques, voilà, il y a marqué là. Et nous, on a vu qu'il a rentré là-dedans sans arrêt. Blocher, on a pris des photos. Il a sûrement passé plus de temps là chez eux qu'au Parlement. Ok, donc là, le grand obélisque devant chez Blocher. Et ce sont également ces francs-maçons qui lui ont donné cette
l'appartement là où il a habité. Donc là, entre chez Blocher où il a habité et donc là, ce con là, hein, entre les deux, il y a le restaurant de Templiers. Voilà. Où il a dîné assez souvent. C'est qui ça? On connaît ce mec. Allez, salut, le révolutionnaire. Ok. Là, on va aller voir là. Voilà. Le symbole, c'est horrible. Et le prix Nobel de la paix. Tous ces criminels longs. Voilà. Et là, il y a leur truc là. Le bon accord. Seulement entre eux.